Salut à toutes et à tous, c'est TTC51, on se retrouve pour l'épisode 2 sur Empyrion Galactic Survival. Donc comme vous le voyez, il y a un robot dans ma base qui vient en train de m'attaquer. Donc je lance l'épisode maintenant pour vous montrer ce que c'est qu'une espèce de vague d'attaque sur votre base. Donc ça commence généralement la première nuit et vous le voyez, il y a ce robot là, il faut que je le tue. Ils sont plutôt coriaces ces robots. Ils font plutôt mal aussi. Il est où? On va se le faire, on va se le faire. Il est là. Hop là. Très joli sa mort en tout cas. Donc on va aller tout de suite voir ce qu'il nous a... Hop. Donc il nous a donné des munitions, des composants, des moteurs, des pavités. Et des réacteurs corps, ça aura pu être utile par le passé. Bon là, de toute façon, on s'en servira. Donc voilà, ça fait un bel effet de fumée. Donc je vais vous montrer ça, puis on se retrouvera pour la suite de l'épisode après. Allez, à toutes. Voilà, donc nous revoilà après cette petite attaque. Donc on va tout de suite continuer un peu à améliorer la base. Mais comme vous le voyez, ce serait bien de faire le fusil d'assaut. Donc je pense que c'est le moment que je vous montre ceci. En fait, c'est un arbre de compétences, un peu comme dans d'autres jeux, hein, comme dans celui que j'ai en tête, c'est ARK Survival Evolved. Mais ça nous permet de débloquer beaucoup de choses. Donc par exemple, l'oxygène station, qui est très intéressant d'avoir. Le frigo, à ce qu'on m'a dit, même si moi je ne l'ai pas encore utilisé. Ce que je voulais aussi, c'était le fusil d'assaut. Est-ce que j'ai encore assez de points? Oui. Les cartouches, je crois qu'elles se débloquent automatiquement avec le remove and repair qui peut être utile. Je regarde vite fait tout ce qu'il y a d'autre. Pour l'instant, je pense que tout ça ce sera déjà bien en effet. Donc maintenant qu'on a fait ceci, on va tout de suite commencer à craft un fusil d'assaut. Donc qui demande quelques composants que je vais mettre là. Ça je vais transférer tout ça là. Je mettrai la worklight après par terre histoire que on soit un peu éclairé. Ça aussi d'ailleurs je vais le mettre là. La worklight se met pas là, elle se met que ici. Donc pour le coup, il faudra que je la fasse tourner au bon endroit. Voilà, bon. C'est un petit éclairement. Hein. Je sais même pas si ça se dit éclairement. Donc hop, le fusil d'assaut, et on va faire, c'est quoi les balles qui prend? Du 6 mm. Donc c'est pour ça qu'il va commencer à falloir crafter des métal pièces. Je vais en crafter une paire. Une dizaine. Donc ouais, j'ai crafté beaucoup de Prometheum pellets. Ce que je vais faire, c'est que, vu que je me sers plus de ce truc là, je vais aller lui ordonner de faire des Prometheum pellets. Genre hop, peut-être pas non plus, mais il arrêtera de toute façon une fois qu'il pourra plus. Voilà. Donc le robot est encore en train de fumer là-bas. Ah, je viens de voir un truc, ouais, en fait c'est le pourcentage de minerai qui reste. Donc là-bas j'ai pris que 8%. C'est quand même pas mal. Donc on a les pièces de métal qui sont en train de se faire. J'aurais bien aimé avoir de la manganèse dans le coin, mais c'est pas grave pour pouvoir faire les... pièces, enfin c'est pas de la manganèse je crois, c'est du magnésium, j'ai confondu. Oui c'est du magnésium, pas de la manganèse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, la porte automatique. Ah oui, l'oxygène tank qu'il va falloir se faire. Donc là je vais déjà commencer à crafter les balles de 6 mm. Voilà. Je vais équiper le fusil d'assaut que je n'ai pas pris. Pour l'instant que ça sert à rien tant que j'ai pas les balles. Ce que je comptais faire c'était mettre ça là. Voilà. Et en fait là-dedans, merde. Ça permet de craft des grosses bouteilles d'oxygène. Je vais manger. Voilà. Et il est grand temps que je craft aussi un petit peu de fuel. Je vais même en prendre un d'ici pour le coup. C'est
histoire qu'elle se mette tout en route. Voilà. Elle va me crafter des oxygène bottles. Donc moi pour le coup il va falloir que je craft cette fois-ci une oxygen station et un oxygen tank. Pour pouvoir en effet régénérer mon oxygène plus facilement. Parce que sinon ça devient complexe. Il va falloir que je privilégie ça juste après là. Je vais même d'ailleurs arrêter de crafter les balles pour le coup. Hop. Voilà, ce sera plus important que je crafte ça. Donc je vais crafter le control device pour ça. Alors il va me falloir que je fasse des 8 metal components. J'ai fait un trop. Le control device. 3 computers et 5 câbles. 3 computers, je les ai. Les câbles, je les ai aussi, pourquoi ils me saoulent? Ah bah oui, pour le coup, j'en ai fait peut-être un petit peu de trop. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, je vais pouvoir... Ah oui, je voulais demander aussi qu'il me crafte du fuel. Ça pourrait être utile. Le fuel, ça se trouve... là. Je vais demander 5 fuel packs. Je peux largement les faire. Donc je vais déjà récupérer l'oxygène tank. Et l'oxygène station. L'oxygène tank, alors je vais le placer. Sinon je vais pouvoir m'extendre en passant par là. Je vais le placer là. Du coup de l'autre côté, genre ouais voilà. Et ça. Comme ça. Voilà. Et là, normalement, dans l'oxygène tank, je mets cela. Et là. Je récupère mon oxygène. Voilà. Tranquillement. Ensuite je vais manger ça. Parce que ça me redonne un peu de vie. Et ça me donne de la place dans mon inventaire. Voilà. Donc ceci étant fait. Oula. J'ai crafté quelques fuel packs. Je vais en rajouter là. Et je vais mettre le reste ici. Voilà. Donc là, on peut voir le temps qui... Ok. Ok, ok. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir faire là? Alors le food processor qui serait bien et peut-être le frigo aussi pour le coup. Donc je vais lancer ces crafts là. De toute façon vous voyez il n'y a rien de bien spécial à faire dans les crafts. Je pense que je vais faire une petite ellipse, c'est à rien que je vous montre les crafts. Je vais plutôt vous montrer comment ils s'utilisent. Donc on se retrouve une fois que j'ai fini les crafts. A tout. Re tout le monde, donc on se retrouve où j'ai un petit peu avancé la base, on va dire j'ai agrandi un tout petit peu ici, donc j'ai fini de crafter le food processor et le frigo, donc je vais les placer ici. Dis-moi si j'y arrive. Je ne comptais pas le placer dans ce sens. Voilà. Et le frigo. Le food processor et le frigo. Donc dans le frigo je vais mettre la bouffe. Enfin quoi que. Non en fait. Je vais la prendre pour la cuisiner celle-ci. Ici là. Donc je trouve que ce qui est pas mal c'est aussi que les recettes sont diversifiées.
Genre là on peut faire des ribs, du steak ou du salami. C'est intéressant. Les plantes de les récupérer. Ah j'ai de l'aloe vera. J'en voulais pour faire ça. Maintenant je vais mettre l'aloe vera. Il me faut une nutriente solue, rock dust. C'est quoi rock dust? Alors là, si quelqu'un dans les commentaires sait ce que c'est, mais je pense que j'irai aller rechercher c'est quoi avant. Il faudra que je vois ce que c'est que ça, la rock dust. Hop, hop, voilà. Je vais mettre ça au frigo. Dust, je suis un peu dans le flou pour le coup. Faudrait que je regarde vite fait après. Donc on va aller voir vite fait comment que ça se porte. Donc ça m'a déjà crafté 7 oxygène bottle. Ça craft vachement vite quand même, je trouve, l'oxygène. Donc hop, je vais mettre la blinde. Je vais remettre l'oxygène. Voilà. Et pour le coup, alors je voulais vous montrer l'utilisation du fusil d'assaut, donc que je n'ai pas pris, qui est encore là dedans. Le fusil d'assaut, le voilà. Donc hop, il a une petite lumière au bout de... Ah oui, et puis non, avant. Avant, je voulais poser des lumières au sol. Je fais ça. Ok, je peux pas la poser là-dessus. Donc, je voulais poser des lumières par ici. Genre, là, ça fait pas comme un bloc, j'espère. Non, c'est bon. Ce n'est pas dérangeant. Puis je vais en placer un là aussi. Voilà. Comme ça, on sera un petit peu plus éclairé. Parce qu'on voyait rien. Et donc, ouais, donc on va prendre deux fusils d'assaut. Avec la lampe qui est au mid, donc avec clic droit. Merde. Avec clic droit, on vise. Et avec clic gauche, on tire. Bon, là, il n'y a rien à... Ah, tiré pour le coup. Attendez pas. Là. Un limon. Il est où? Là. Merde, j'ai pas rechargé. Et j'ai même pas de balles sur moi. Ah, quel handicapé. Je retourne chercher des balles. Hop. Là, ça, j'ai la mauvaise habitude de pas prendre ce qui ressort de ça. C'est du calibre combien? Du hop, le 6, voilà. Et là, je peux recharger. J'ai bien un limon là-bas. Ou les mêmes paires de bestioles. Il va se ramener, ça va être drôle. Je vais le laisser venir, j'ai pas envie de j'ai pas envie de devoir courir après pour aller rechercher son ce qu'il a drop. Et voilà. Il est mort. Donc, hop, je récupère tout. On va voir si ces bestiaux là ils nagent bien. Sérieux, il marche sur l'eau. Hop là. Et voilà, ça nous fera un peu de bouffe. Petite séance de chasse. Donc il commence à faire jour, enfin, il était temps. C'est quoi ça? C'est rien. Donc on va mettre la bouffe qu'on a récupérée dans le frigo. Hop, hop, hop. Et voilà. On va mettre aussi ça, enfin... Genre l'aloe vera là.
Ça. Ça va pouvoir permettre de faire des petits medikits. Je sais même pas comment qu'on fait la purifiée de water. Faudra que je voie ça après. Je pense que ce sera utile ici, ça aussi. Ouais, et voilà. Donc, et bah, je sais pas le temps que fait cet épisode, on va dire, mais je pense qu'avec ce beau lever de soleil que je ne vois même pas, qui a l'air de se lever par là-bas, je dirais. Donc, je vais vous laisser sur ce joli lever de soleil. Et on se retrouve pour l'épisode 3. Donc, si cette série vous abonne, vous pouvez aussi laisser un j'aime. Ou vous abonner aussi, ça me ferait très plaisir. Laissez un commentaire aussi pour me dire comment je pourrais m'améliorer sur ce jeu, parce que je ne connais vraiment pas. J'ai regardé vite fait des vidéos dessus, mais je ne connais pas plus que ça. Donc si vous voyez des erreurs que je fais, vous pouvez me donner des conseils. Ça me fera très plaisir. Allez, on se retrouve pour l'épisode 3. Ciao tout le monde.